Bonjour les et sœurs, bienvenue sur Union Soubonne. Nous sommes de retour pour de nouvelles choses extraordinaires. Comme vous le voyez, beaucoup de choses ont changé. Est-ce que vous constatez cela Est-ce que vous entendez ma voix Est-ce que vous entendez ma voix C'est que vous voyez ici, c'est quelque chose de nouveau. Que j'ai un nouveau microphone, vous savez. Les gens se sont beaucoup plaints. Les gens disaient, Oh, Nyon, on ne t'entend pas bien, on ne t'entend pas bien, tu parles doucement. En fait, le microphone que j'avais n'était pas de qualité. Aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé pour vous, les amis. Donc, soyez prêts parce que ah, ce qui arrive, c'est du lourd. <laughs> ok. Pour me soutenir, laissez des j'aime. Ce que je fais, les dons pour me soutenir. Euh... Mm. Comment vous le dire? Cherchez, vous allez trouver. Cherchez, vous allez trouver. Voilà, qui se trouve Ou bien regardez nos précédentes vidéos de type réaction, vous allez voir. Bon, euh, nous nous retrouvons aujourd'hui pour quelque chose d'extraordinaire. Le témoignage que nous allons entendre ici donne foi dans le dos. Un homme va nous raconter comment le diable est venu jusqu'à lui. Jusqu'à lui, pourquoi? Il nous a dit que le diable est venu jusqu'à lui parce que le diable disait que il le dérangeait. Il le dérangeait avec ce qu'il faisait dans la maison de Dieu. Mais comment et quoi? Cet homme, apparemment, c'était une personne qui craignait Dieu et qui faisait des choses extraordinaires pour le Seigneur. Le diable a vu en cet homme une menace pour ses affaires sur la terre. Du coup, il est venu le voir pour lui faire des propositions. Mais avant, ce tombe va commencer par nous révéler des choses qu'il a vues dans l'église. Il va nous dire qu'il a vu des gens. En fait, il a vu des démons sur les gens dans l'église. Sérieux, mais à partir de quoi Mais à partir de quoi et comment Vous risquez d'être surpris et vous risquez vraiment d'être surpris parce que nous allons entendre. Et vous allez comprendre pourquoi nous avons mis cette image de cette fille en train de se maquiller ici sur cet écran. Waouh, elle est même en train de se faire maquiller par des gens. C'est un truc hors du commun. Qu'est-ce que ça représente dans le monde des esprits Qu'est-ce que ça représente dans le monde des ténèbres Nous allons découvrir cela tout de suite. C'est parti Écoutons. Après mon enlèvement en enfer et au paradis, j'ai fait un voyage missionnaire au Chili et quand j'y suis arrivé, j'ai été invité à exercer mon ministère dans plusieurs églises. Grâce au Seigneur Jésus, j'avais reçu des dons et mon autorité spirituelle a augmenté à partir du moment où mon intimité avec le Saint-Esprit a grandi. J'ai commencé à prier plusieurs fois par jour parce que je voulais sentir la présence de Dieu dans ma vie. Plus je priais, plus je ressentais de la joie, de la paix et de la satisfaction, tandis que je me sanctifiais de plus en plus et l'onction coulait plus fortement dans ma vie. J'avais tellement d'autorité que lorsque j'exerçais mon ministère les gens pleuraient dans les églises. Pendant le culte la plupart des membres des églises ont sombré dans des manifestations démoniaques. Dans les églises j'ai vu des démons de formes diverses, et également des anges travaillant dans les églises. Je pouvais observer avec mes yeux spirituels que les possessions démoniaques chez le peuple n'étaient pas partout dans le corps, mais plutôt dans des diverses locations et parties du corps. En fait, j'ai vu des personnes possédées seulement dans certains parties de leur corps. Cela arrive vraiment si vous n'avez pas complètement abandonné votre vie à Christ. Il y a des gens qui ne se sont pas encore convertis dans leur parure de cheveux. J'ai vu des démons épinglés dans les cheveux de femmes évangéliques. Les femmes qui ne se sont pas repenties de l'embellissement d'ongles. J'ai vu les démons entrer dans leurs doigts. Dans un service de délivrance, j'ai expulsé un démon mais il n'est pas parti. J'ai réalisé que les démons n'étaient pas à l'intérieur du corps de la femme, mais plutôt sur ses mains à cause de vernis sur ses onglets. Puis je lui ai wow. expulsé. Une autre femme avait le démon dans ses pieds car elle avait peint les ongles de ses orteils. En conséquence, mmh. les démons habitaient ses pieds. Dans les églises évangéliques alors que mes yeux spirituels étaient ouverts, j'étais confronté aux problèmes de femmes évangéliques maquillées. En effet, j'ai vu des démons attachés à leur visage à cause de poudre et des rouges à lèvres. À ce moment, j'ai réalisé que ceci était des possessions partielles. Ces possessions mmh. sont causées par des démons de 3 à 5 cm de long. Ils n'occupaient qu'une partie de leur corps. Je me Hein? Vous avez entendu ça? Vous avez entendu cela? Ah 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 ah! Regardez cette image qui est là-bas. On voit un serpent autour d'une femme. Wow! Donc si j'ai bien compris, à partir des choses que je trouvais sur ces gens-là, des démons aussi s'accrochaient à cela et possédaient les gens en même temps, quoi. Hein? Et ces choses C'est les chose qu'il vient de décrire. Ah bon, sérieux? Mais écoutons la suite. Je me souviens avoir expulsé un mini démon qui se trouvait à l'intérieur de l'estomac d'un frère. C'est ce démon qui causait la douleur et les saignements. Les médecins ne pouvaient pas localiser la maladie, car c'était un démon qui s'était logé dans son estomac et qui avait été expulsé par la puissance de Dieu. Quand je ah oui. parle de ces choses, les pasteurs me disent, c'est de la folie. Imaginez des diables possédant la chevelure d'une personne à cause d'une encre. Ils ne croient pas, Satan a aveuglé leurs yeux spirituels, selon 2 Corinthiens 4, 3 et 4, mais si notre évangile est caché, il est caché pour ceux qui sont perdus, en qui le Dieu de ce monde a aveuglé les esprits de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière de l'évangile glorieux de Christ, qui est l'image de Dieu, ne les illumine. J'ai le don de la vision et je vois le monde spirituel, ce don est spécial, à vrai dire. J'ai dû payer le prix dans le jeûne et prière, et j'ai la conviction que ce que je vois est réel. J'ai vu des ivrognes, des toxicomanes et des homosexuels entrer dans les églises avec des démons sans pour autant être libérés par les pasteurs. Je pouvais voir des démons coincés dans le dos de ces gens leur imposant un lourd fardeau. C'est la preuve que ces pasteurs n'avaient aucune autorité spirituelle sur des démons car les membres viennent à l'église et rentrent avec le démon dans leur corps. Une église déchue sans puissance ne peut jamais délivrer les prisonniers et les captifs ni soulager les opprimés. Les personnes qui étaient dans le ministère et les églises de l'évangile du Christ où je suis pasteur ont été libérées et touchées par la puissance de Jésus. Les démons ont senti le poids de la main de Dieu lorsque ces personnes ont été libérées. Ces mêmes personnes se plaignaient d'être allées dans plusieurs églises et n'ont toujours pas été libérées. Si la parole de Dieu libère, pourquoi ne fonctionne-t-elle pas dans diverses dénominations et églises ici aux États-Unis Qu'est-ce qui ne va pas avec les frères qui se rassemblent dans ces ministères? Je ne me magnifie pas, car je ne suis qu'un serviteur, ce n'est pas moi qui suis un grand homme de Dieu, ce sont les églises qui se sont abaissées sur le plan spirituel, je ne fais que ce que la Bible a commandé de faire. Si dans votre ville vous n'avez pas d'église approuvée par Dieu qui est l'autorité de Jésus pour vous libérer, vous devez faire votre part, prier, libérer rapidement et vous sanctifier. Un jour, M. Villan connaît qui était mon surveillant administratif, pendant le culte à ma grande surprise il est tombé dans des manifestations démoniaques, après lui avoir enlevé les démons, je lui ai demandé, comment un prélat distingué comme vous peut-il enseigner la théologie dans diverses églises et tomber dans le manifestation démoniaque, il me dit, je fais de la politique, j'ai participé au mensonge de mon candidat, en tant que son conseiller j'ai fait beaucoup de propagande mensongère, il a donc remporté les élections en conséquence, pour cela, il a fallu mentir, j'ai promis beaucoup en son nom, tout pour l'argent. Je me suis impliqué dans des scandales, le blanchiment d'argent. Personne ne l'a jamais découvert, jamais divulgué dans la presse. La politique est mauvaise et peut vous détourner des buts de Dieu. C'est beaucoup d'argent. Je suis le porte-parole de nombreux hommes politiques. J'ai soutenu leur vie en menant une vie de mensonges et de fabrication. À un certain moment, j'ai senti que le Saint-Esprit était ému et il était loin de moi. Mais un mauvais esprit a pris possession de moi, aujourd'hui je me sens plus léger, je vais me détourner de la politique et abandonner tout ce qui ne plaît pas à Dieu, et à partir de maintenant je me réconcilie avec Dieu même si je me considère chrétien. Après avoir vu ce que l'évêque a vécu lors de cette délivrance, beaucoup sont retournés vers Jésus. J'ai commencé à aller dans plusieurs églises, j'ai pris le micro, commencé à prier et beaucoup d'évangélistes sont tombés dans des manifestations avec des démons. Toutes ces églises avaient honte de la survenue de ces événements, plus tard j'ai rejeté plusieurs invitations pour ne pas gêner les frères et le pasteur, jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a chargé, il s'est passé quelque chose de surnaturel, je n'avais jamais rien vu d'aussi extraordinaire, ma vision spirituelle s'était ouverte, et j'ai vu un homme, son corps brillait comme le soleil, je ne pouvais pas fixer mes yeux, car la lueur couvrait mes yeux. J'avais l'impression que si j'insistais pour regarder cet homme, je serais aveugle. Mes yeux de chair ne pouvaient supporter autant de gloire, bien qu'il abaissa cette luminosité de son corps. Je les regardais directement, cependant je ne pouvais pas voir son visage. Je pouvais voir son visage briller et le contour de son corps avec un buisson blanc qui brillait. Je savais que cet homme était le Saint-Esprit. Il me dit Vous devez aller aux églises. Les gens doivent ouvrir leurs yeux spirituels comme je les ai ouverts pour vous. Ils ont besoin de voir où ils se trompent. Quelqu'un doit montrer à ces gens qu'ils ont besoin de réparer leur vie et vous êtes la meilleure personne pour prouver qu'ils ont besoin d'une vraie rencontre avec moi. Ils pensent être sauvés, mais ils ne le sont pas, ils sont possédés. Ils doivent emprunter le chemin de la vérité. Après ces révélations, je me suis dit, il est impossible que ces personnes soient sauvées si elles sont possédées. Je ne suis pas allé à cause de mon entêtement. De nouveau, le Saint-Esprit me dit, tu penses que tu as honte de ce peuple. Je vous le dis, homme. Toutes les églises où vous avez placé vos pieds ont eu des résultats de repentance et des délivrances, ceux qui ont été délivrés de possession démoniaque sont en train de réparer leur vie, après l'avertissement du Saint-Esprit, j'ai de nouveau rejeté l'invitation à exercer le ministère dans une église, le lendemain, j'étais cloué au lit avec des douleurs au corps, un être maléfique m'est apparu à l'aube et se mit à rigoler. J'ai demandé, Qui es-tu Ma femme Akemia était endormie et n'a pas entendu, cet être me dit, Je suis Satan. Je vais te capturer. J'ai demandé, qu'est-ce que vous voulez de moi Il me dit, je vais vous arrêter, je déteste votre ministère de délivrance, j'ai perdu beaucoup de croyants à cause de vous. Un jour je veux vous capturer, je finirai par gagner votre âme, vous êtes... Hein? Vous avez entendu ça Il entend le diable lui-même lui parler comme ça et le diable lui dit pourquoi il est là pourquoi il est là? Ça veut dire que depuis longtemps, le diable l'observait. Le diable l'observait, mes frères et sœurs, C'est hors du commun. Hein, et il arrive maintenant. Pour soit le convaincre de venir chez lui dans son royaume. Ou le détruire. C'est ça. C'est-à-dire, ça soit le diable vous fait entrer dans le monde des ténèbres, soit il, il, il vous tue, quoi. Il vous donne la mort. Vous combat jusqu'à jusqu ça, jusqu'à la mort. C'est comme ça que ça se passe. Écoutons très bien ce qui va se passer, ce que le diable va lui dire. C'est parti. D'être précieux pour moi. J'ai promis des récompenses à plusieurs démons qui travaillent pour gagner votre âme. Celui d'entre eux qui pourrait gagner votre âme gagnera des grands prix en enfer. Allez-vous continuer à me faire la guerre et m'opposer Aujourd'hui, je vous donne l'occasion d'abandonner le ministère de la délivrance. Dans le cas où vous acceptez d'abandonner le ministère de libération, je peux vous donner beaucoup de récompenses. J'ai dit Tais-toi, Satan, tu es un perdant. Pourquoi es-tu si inquiet pour moi Vous perdez la guerre contre moi, ne ce pas En disant cela, Satan répondit C'est vrai, vous êtes une nuisance. C'est pour cette raison que je suis personnellement venu vous voir. Il y a peu de sorciers qui ont reçu l'opportunité de me voir, bien qu'ils font des efforts. Seulement ceux qui sont de haut rang qui ont l'autorisation et la grâce de me voir, ils aspirent à me connaître. Vous avez le privilège aujourd'hui, raison pour laquelle je suis venu vous voir, je vous récompense aujourd'hui si vous faites un pacte avec moi, une alliance de sang aujourd'hui même. En disant cela, j'ai répondu à Satan, tu es un menteur, en enfer, il n'y a pas de récompense. J'étais déjà prisonnier et captif là-bas dans ton royaume en enfer. J'ai vu et je sais très bien ce que tu fais avec les âmes perdues en enfer car je les ai vues, tes sujets détruisent les âmes perdues avec toute malice, même les sorciers et les satanistes qui t'ont servi sur la terre et fait ta volonté sont tous dans une grande souffrance en enfer. Leur récompense est la destruction de leur esprit, la récompense de ceux qui vous servent et la mort, Satan voyant que je refusais son offre, continua de me proposer des choses en disant, je peux te donner un trône en enfer, tu resteras assis près de moi et tu régneras avec moi. Je lui ai dit, ton royaume s'écroule, il sera bientôt dans les temps de feu. Satan, non convaincu, apporta une valise pleine d'argent, et il me dit, si vous ne voulez pas d'un royaume en enfer, je vous donnerai un royaume sur terre, je peux vous rendre célèbre, je peux vous donner la gloire, la richesse et le succès. Vous n'êtes pas obligé de cesser d'être chrétien, vous pouvez continuer d'être chrétien et prêcher la Bible, je vous demande juste de faire un pacte de sang avec moi et je vous donnerai ce sac de dollars. Je ferai de vous le prédicateur le plus célèbre en Amérique, voyez comment votre vue est pour le moment, vous n'êtes reconnu par personne, bien que vous ayez beaucoup de dons spirituels et des capacités, vous ne valez rien, mais avec mes offres vous pouvez aller au-delà, vous aurez les meilleures demeures. Les grandes églises vous reconnaîtront, même le président des États-Unis reconnaîtra votre renommée, il vous invitera à déjeuner à la Maison Blanche, vous prêcherez à des célébrités, à des personnalités célèbres et importantes. Je ne vous demande qu'une chose, ne travaillez plus dans le domaine de libération et de livrance, enseignez simplement la parole, ne priez pas avec ferveur, substituez la prière à la théologie, après ce pacte, vous gagnerez beaucoup d'argent. Vous vous repentirez plus tard et demanderez pardon à votre Dieu qui est miséricordieux tout en restant sauvé. Quels avantages, c'est une merveille. J'ai dit au diable, va-t'en Satan. Il me dit, vous avez donc rejeté mes offres Vous avez fait votre choix. Et vous préférez donc vivre une vie pauvre et médiocre, au service d'un Dieu qui est heureux que son peuple vive dans la misère. À partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus en paix dans votre vie. La guerre est déclarée, et je vous informe que je gagne déjà cette guerre. J'ai dit à Satan, vous bluffez. Satan me répondit, alors pourquoi t'es-tu abstenu d'exercer le ministère dans les églises Voilà comment tu ne sais pas comment me répondre. J'ai manipulé ton esprit. Tu n'as pas pu le remarquer, en fait. J'avais tiré une fléchette maléfique dans tes pensées et tu as obéi en refusant de coûter les saint esprits qui t'a envoyé aux églises, et à cause de cela, j'ai obtenu l'autorisation du royaume de Dieu de toucher ta chair. Raison pour laquelle tu es malade accroupi au lit, tu dois savoir que j'attends ton grand échec pour prendre ton âme et t'amener en enfer, j'ai levé la voix et j'ai dit très haut à Satan, le sang de Jésus te réprimande. Du coup le diable a disparu sous la forme d'une fumée noire, ma femme s'est réveillée et a demandé, est-ce que tout va bien J'ai dit, j'ai eu une confrontation spirituelle ce soir. Je peux dormir maintenant. Quand le jour se lève, je te raconte tout. Bien aimé, le diable m'avait déclaré la guerre. Et ça n'a pas tardé. J'ai commencé à voir les conséquences et implications de cette guerre. En... Vous avez vu ça Ça n'a pas tardé. Il a commencé à voir des choses étranges se passer, se produire dans sa vie. Comme quoi comme quoi, ah ah ah, là vous allez comprendre ce qui s'est passé avec Job de la Bible. Comment Job a commencé à perdre des choses, perdre des, 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 des parents, perdre des enfants, perdre de la famille. Comment les gens ont commencé à le laisser. Bon, écoutez vous-même, vous allez voir que le diable, comme Dieu, il ne change pas. C'est-à-dire, on dit Dieu, et le, le, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le diable, il est le même hier, aujourd'hui et il sera toujours comme ça. Ce qu'il a fait dans le passé, c'est ce qu'il fera aujourd'hui et il fera après demain. Et découvrez par vous-même ce qu'il a fait à ce monsieur. Écoutons. En peu de temps, mon fils Robert Atsushi est devenu homosexuel à ma grande tristesse. Malgré wow. tout, j'ai continué à aimer mon fils, puis mon bras droit de l'Église, l'ancien Karl, qui m'aidait dans mon ministère, m'a abandonné. Il est allé dans une autre église et a commencé à me persécuter verbalement, attaquant mon ministère. Plus tard, j'ai perdu ma maison, un camion en fuite a percuté ma maison et a tué mon fils David Azushi, après le funérail et l'enterrement de mon fils David, ma femme m'a quitté. Notre fils David était décédé à la suite de l'accident de camion qui avait percuté notre maison, c'était mon plus jeune fils. J'étais maintenant seul à l'église, je suis allé vivre chez le frère Brad car notre maison était détruite. Les pasteurs qui voulaient voir ma défaite se moquaient de moi, en disant que je ne servais pas Dieu et qu'ils m'avaient abandonné. J'ai regardé les visages de ces moqueurs avec mes yeux spirituels et je les ai vus transfigurés en deux visages de démons. C'étaient donc les démons qui se moquaient de moi au travers de tous ces gens. Leurs cœurs ont révélé la méchanceté de leurs intérieurs. Beaucoup de gens ont commencé à quitter le ministère que Dieu m'a accordé. Je suis devenu triste tous les jours et je ne savais pas quoi faire. Cette nuit-là, Satan est venu chez moi. Chez le frère Brad, il est apparu dans ma chambre et m'a dit Espèce d'imbécile, tu as rejeté ma proposition, maintenant tu souffres, tu as refusé mon offre, tu mourras dans la misère, ton Dieu ne se soucie pas de toi, s'il se souciait de toi, il ne te laisserait pas se retrouver dans cette situation. Moi je vous fais des bons offres, malgré tout tu dis que je suis mauvais, même si je vous offre du confort, générosité et richesse, vous me rejetez tout de même, j'ai dit à Satan. Ce n'est pas la peine de se moquer de moi, je préfère mourir que de faire alliance avec vous. Satan me dit, j'ai touché ce que vous aimez le plus, j'ai tué votre fils David par cet accident, j'ai convaincu votre femme de vous quitter, vous êtes maintenant seul et abandonné, j'ai obligé ses conducteurs à détruire votre maison, j'ai rendu votre fils Robert homosexuel, vous m'avez lancé un défi, maintenant, vous allez en subir les conséquences. Je suis le Dieu de ce monde, cette terre est mon royaume, voici mon royaume. Tout le monde sur cette terre fait ma volonté. J'envoie la disgrâce à qui je veux et je donne des bénéfices et pouvoirs à qui je veux. Ce monde a été livré entre mes mains. Étant donné que vous faites partie de ce monde qui m'appartient, vous êtes par conséquent sur mon territoire. Vous devez obéir à ce que le roi a établi comme loi. J'ai dit au diable, très bien Satan, tu viens de me déclarer la guerre. Mais sache que tu peux contrôler ce monde, mais pas ma vie. Voyons qui d'autre peut, mon Dieu ou toi, si tu es plus fort, tu peux prendre ma vie. Mais mon Dieu est plus fort et tu ne peux donc prendre mon âme. Du coup Satan a fait apparaître un écran spirituel dans ma chambre. Sur cet écran, il m'a montré une partie de l'enfer. Puis il m'a montré mon fils David souffrant dans le flamme de l'enfer. Satan se mit à rigoler de façon sarcastique. À ce moment-là, je me suis agenouillé puis j'ai dit, Seigneur, est-ce vrai que mon fils est en enfer? Le Saint-Esprit m'a révélé de ne pas m'inquiéter pour ceux qui sont morts, mais plutôt prendre la peine de chercher Jésus. Malgré tout, mon angoisse ne m'avait pas quitté, tout était déroutant pour moi. Une fois encore, Satan a pu injecter une goutte de son venin en moi, me laissant dans le doute. Je me suis plaint à Dieu, j'ai commis un péché en questionnant le Seigneur. En plus de cela, j'avais eu honte d'avoir rejeté le commandement du Saint-Esprit de servir dans les églises qui m'y invitaient, j'ai commencé à fuir Dieu à cause de ce péché, j'ai arrêté de prier, j'ai donné la direction de l'Église au missionnaire Franck, à cause de mon attitude. J'ai perdu le don de la vision spirituelle, symbolisant mon aveuglement, je ne pouvais plus voir le monde spirituel, une voile était mise entre moi et le monde spirituel, de plus, je n'ai plus ressenti la présence du Saint-Esprit comme auparavant, mais je ne pouvais pas accepter cette condition spirituelle d'aveuglement sans le don de vision, je me suis repenti de mes erreurs. J'ai aussi demandé pardon à Dieu pour ne pas obéir à l'ordre de servir dans les églises, j'ai prié pour le retour de ma femme et pour la conversion de mon fils Robert. Plus tard j'étais de nouveau malade, je t'ai hospitalisé, alors que j'étais à l'hôpital, la maladie était toujours en moi, c'est alors que j'ai décidé de retourner à ma position pastorale même si j'étais malade. Et alors que j'étais malade j'ai reçu une invitation à exercer le ministère dans une église, et même si j'étais malade j'y suis allé quand même, tout pour plaire à Dieu. Après avoir prêché dans cette église le soir du troisième jour, l'ange de l'Éternel m'a apparu et me dit, Tu as été courageux, tu n'as pas rejeté ta mission. Tu as été éprouvé par le feu et approuvé par Dieu. L'ange du Seigneur se mit à rire de joie, car j'avais passé ce test dans lequel Dieu a permis à Satan de prendre la vie de mon fils David, de détruire mon mariage et ma maison, et de pousser mon fils dans l'homosexualité. Cet ange de l'Éternel rigolait de joie et a touché mon corps. En conséquence, la maladie est partie de mon corps. Un an plus tard, ce que Jésus avait dit à propos de la croissance de mon ministère était accompli. Ma femme est revenue vers moi et m'a demandé pardon, mon fils Robert est revenu et s'est converti, avant que cela ne se produise, Dieu a utilisé un homme d'affaires financièrement aisé pour me donner une maison plus grande que celle que j'ai perdue. Cet homme possède plusieurs maisons, possède une entreprise immobilière. Finalement mon don de vision est revenu, j'ai récupéré mes dons et la présence du Saint-Esprit qui est devenue plus forte qu'avant cette épreuve, quelques jours plus tard, alors que je faisais un service de délivrance. Plusieurs sœurs qui avaient peint leurs cheveux et leurs ongles m'ont dit, Homme de Dieu, si nous regardons à Dieu, il nous libérera de nos maquillages, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas envie de les abandonner et laisser aller. Je leur ai dit, vous n'êtes pas encore sensible à la volonté et à la voix de Dieu, continuez à prier jusqu'à ce que vous puissiez sentir le Saint-Esprit et entendre sa voix. Pendant trois mois, ils ont persisté dans la prière et ont fini par jeter leurs boucles d'oreilles, leurs colliers et leurs maquillages. Cela a eu pour effet de mettre fin au désir de la vanité de leur cœur. Ces sœurs ont commencé à chasser les démons, j'ai vu avec le don de vision les démons sortir des gens et s'exploser, j'ai eu une expérience avec d'autres sœurs, je leur ai demandé d'expulser les démons bien qu'ils portent des boucles d'oreilles, des colliers et du maquillage, ils ont commandé aux démons de sortir mais ces démons ne sont pas sortis. Seules les sœurs qui se sont débarrassées des maquillages qui ont réussi à expulser les démons, je tiens à dire à tous ceux qui entendent ce témoignage, que les boucles d'oreilles, les colliers, les rouges à lèvres et la poudre de visage sont le signe de Satan qui est incrusté dans les corps qui les portent. Je suis allé visiter l'église du pasteur Pierre. Avant d'y entrer, j'ai vu une légion de démons qui s'installa au sommet de son église. Ces démons étaient des dragons qui vomissaient et déversaient des boules de feu à cet endroit. Ces incendies et boules de feu sont sortis de la bouche des dragons. Quand je suis arrivé à cet endroit, j'ai vu des gens tourbillonnés et des gens rampés comme des serpents. Le Saint-Esprit m'a révélé qu'il était attristé par le péché du peuple. Dans cette église, il y avait des frères qui ont trahi leurs femmes, il y avait des femmes qui se sont vengées de leurs maris et les ont trahies aussi. Il y avait des croyants qui avaient des dettes des banques et des magasins, d'autres avaient le dette de leurs propres voisins qu'ils ne payaient pas, le pasteur Pierre lui-même était marié pour la quatrième fois, tout cela était absurde. Les démons ont trompé les gens de cette église, ils se sont camouflés et se sont cachés dans chaque corps. J'ai vu des démons changer les prédications des frères en leur disant de prêcher des hérésies destructrices. J'ai aussi vu un frère prononcer une fausse prophétie, j'ai vu sortir de sa bouche une boule de feu noir, j'ai vu des démons atterrir dans la tête d'une sœur, ils ont changé ses pensées pour de livrer des fausses doctrines, ces démons avaient à peu près la taille d'un citron. J'ai vu des gens possédés par des millions de mini démons, quand j'ai commencé le service, les démons ont essayé de gâcher le service, ils ont essayé de détourner l'attention des gens de la parole, ils ont également tenté de détourner mon attention et mon lien avec le Saint-Esprit. Les gens sont tombés dans des manifestations démoniaques, je devais expulser ces démons. Les gens parlaient à l'église ou allaient à la salle de bain, d'autres mâchaient du chewing-gum, tous ces gens portaient chacun un démon sur le dos, ils étaient possédés, j'ai neutralisé les manifestations. Les démons ont été paralysés et immobilisés dans les corps des gens. Ils étaient toujours dans le corps de Jean mais ils ne pouvaient plus gâcher le service alors que je prêchais. Ma vision spirituelle était ouverte. C'est ainsi que j'ai remarqué que le pasteur Pierre était accompagné d'un démon qui opérait des signes. À la fin du service, j'ai commencé à chasser les démons jusqu'à ce que le diable a tenté de m'embarrasser en résistant à mon autorité. Le pasteur Pierre a essayé de m'embarrasser. Il a imposé ses mains à un jeune homme qui a résisté à mon autorité. Et j'ai vu le démon qui accompagnait ce pasteur lui permettant de faire le miracle et d'opérer le guérison. Ce démon qui accompagnait le pasteur Pierre a commandé au démon qui était dans la vie de ce jeune homme et il est parti. J'ai vu le pasteur Pierre poser ses mains sur des possédés, et les démons dans le corps de Jean se sont manifestés, puis ils se sont camouflés dans l'intérieur du peuple au lieu de quitter. Les démons se sont cachés dans le corps, laissant l'impression qu'ils étaient partis, et le peuple démonisé est revenu à la normale. D'autres démons ont quitté les gens mais ne sont pas sortis de l'église et ont continué à marcher dans l'église. Les gens ont applaudi le pasteur Pierre qui les a trompés en enlevant les démons, alors que je ne recevais pas d'applaudissements et que les démons essayaient de résister à mon autorité pour m'embarrasser car ils avaient suffisamment de haine contre moi. Les démons voulaient exalter ce faux pasteur pour que les gens croient qu'il est un véritable homme de Dieu et qu'il a plus d'autorité que moi. Cet homme n'avait pas le Saint-Esprit, il ne libérait personne. Les démons ont prétendu qu'ils avaient quitté le corps de démoniaque quand ils étaient expulsés, mais alors que j'ai chassé les démons, ils sont devenus de la fumée, les gens ne pouvaient pas voir avec les yeux spirituels que ce faux berger n'avait rien chassé. Seulement moi qui avais vu toute la scène déplorable du monde spirituel, jusqu'à ce que je criais, avec toute autorité, j'ai commandé aux démons de ne pas quitter les corps des gens. J'ai scellé ces démons pour que le pasteur Pierre ne manipule personne d'autre, le démon qui accompagnait le pasteur Pierre ne pouvait plus donner les ordres aux démons qui étaient dans les corps de gens de partir. Puis j'ai pris la direction du service et j'ai ordonné à ces démons de partir. C'était une guerre. Je suis allé expulser la légion de démons de ces personnes, les légions avaient la taille d'un citron et donnaient beaucoup de travail. Ces mini-démons se cachaient dans le corps des gens, comme des jambes, des genoux, des oreilles, des mains, des bras ou des pieds. Il était difficile de deviner où ils se cachaient, même si je les ai tous expulsés. Le pasteur Pierre ne sachant pas ce qui s'était passé, il ne savait pas que j'avais scellé les démons avec mon autorité afin qu'ils ne puissent pas chasser les démons et manipuler les gens avec un esprit de tromperie. Il était frustré et honteux, l'église a réalisé qu'il n'avait aucune autorité. Celui qui a essayé de m'embarrasser est sorti honteux, il m'a dit que ce soir serait mon dernière intervention dans son église, je ne prêcherai plus jamais dans cet endroit. À la fin du combat spirituel de cette nuit-là, les gens pleuraient de soulagement, mon corps était fatigué parce que toute mon énergie était dépensée avec cette guerre. Quand je suis entré chez moi, tous les démons que j'avais expulsés dehors sont apparus autour de mon lit essayant de m'intimider. J'étais calme, je me suis plié à genoux et expulsé tous ces esprits hors de ma chambre. Quelque temps après, j'ai appris que le pasteur Pierre était hospitalisé, je suis allé faire une visite et une prière pour lui. À l'hôpital il a confessé à Jésus ses pratiques, il s'est repenti de toutes ses duperies, puis il est mort, dans une vision j'ai vu un ange descendre, rassembler son âme et se diriger vers le ciel, le travail que Dieu avait à accomplir dans sa vie n'était pas accompli, seul le salut de son âme était accompli. Puis je suis entré chez moi, j'ai prié Dieu ce soir-là, ensuite, j'ai eu une vision, en levant mes yeux vers mon toit j'ai vu mon fils David au paradis, cette vision a calmé mon cœur. Le Saint-Esprit me dit, je verserai une grande onction sur votre vie, vous ne serez plus jamais pareil. Lorsque cette onction tombera, beaucoup voudront être comme vous, vous serez le miroir de beaucoup. Ma foi a augmenté, j'ai réalisé que je ne suis pas seul, Dieu est avec moi, après avoir subi les attaques des démons, mon petit ministère a commencé à se remplir de monde, notre désir, non seulement le mien, mais de chaque Église et de rechercher Dieu chaque jour jusqu'à ce qu'il vienne chercher son épouse et nous emmène avec lui. L'air que nous respirons est de louer le Seigneur, notre souffle sert à le glorifier, cette forme d'action de culte est normale pour nous, nous lisons la parole tous les jours, nous faisons beaucoup de prières pour notre propre édification, tout cela est devenu notre besoin spirituel et fait partie de notre menu alimentaire spirituel, notre idéal est d'arriver au niveau spirituel que Jésus m'a révélé quand il m'a emmené. Nos actions ont beaucoup plus de valeur que nos paroles, si les gens adoptent les plaisirs du monde, leur comportement changera pour le pire et ils ne savent pas dans quoi ils s'engagent. Après que mes yeux spirituels se soient ouverts, je n'ai pas cessé de chercher Jésus, le prix que j'ai payé était de ne jamais regarder ce qui ne plaisait pas à Dieu, de ne pas lire des magazines, des journaux, de la télévision ou des contenus banals des médias et des faux prophètes, mes yeux n'aiment pas les plaisirs de la chair. Il est de notre devoir de maintenir la tradition du vrai chrétien, ne changez pas ce que dit la Bible, défendez la vérité jusqu'au bout. Jésus a dit que ce ne serait que quelques années avant de me ramener à la maison au ciel, car tous les autres sont attachés au monde et ne paient pas le prix de la prière et de la sanctification. À cause de mon départ imminent, j'ai un secret spirituel que je vais révéler à tous les pasteurs et à tous les dirigeants, uniquement à ceux qui souhaitent avoir la même autorité spirituelle que moi, il n'y a pas de transfert d'onction. C'est un mensonge, c'est la déception de Satan. L'onction ne peut pas être passée, il est vaincu par vos mérites devant Dieu. Si c'était le cas, j'aurais donné toute mon autorité aux membres de mon ministère. Car je partirai bientôt, pour avoir une autorité, il y a un prix à payer. Je ne peux pas passer l'onction qui a été accordée par le Saint-Esprit, seul celui qui m'a donné et celui qui vous le donnera aussi. Le secret est de tout renoncer, alors priez tous les jours. Pour avoir cette autorité, il y a un prix à payer, c'est un secret que je vais révéler à tous les pasteurs. Dédiez les dimanches et les vacances à Dieu dans la prière, faites des veillées de nuit pour Dieu. Que les pasteurs dédient le dimanche et les vacances entières à Dieu. Le ministère que Dieu m'a donné est ouvert tout le dimanche, de 9h du matin à 9h du soir, également pendant les vacances scolaires. L'église doit avoir des services de nuit tous les jours. C'est comme un hôpital, il ne peut pas rester fermé pendant la journée pour que les patients soient disponibles au cours de la journée. Nous faisons deux heures de prière le matin, deux heures l'après-midi et deux heures du soir, trois heures de ministère et trois heures de louange. C'est le secret de la croissance spirituelle des frères qui se rassemblent avec moi, ils sont délivrés du monde et l'Église est remplie et les signes montrent que Dieu est satisfait de nous. Le dernier avertissement que Jésus m'a donné est le suivant, à tous ceux qui ont des expériences d'être emmenés dans l'esprit, malheur à ceux qui ajoutent à leurs expériences en prétendant que Jésus a dit des choses alors qu'il ne les a pas dites du tout ou ajouter des choses dans la loi de grâce ou les doctrines humaines, ceux qui diminuent leurs expériences par peur des représailles. Ensuite, il y a ceux qui disent qu'ils ont été rattrapés sans être en train de se faire inventer des histoires. Ensuite, ceux qui vendent leurs expériences d'enlèvement pour s'enrichir perdront leur salut et leur récompense. J'affirme que ce témoignage est vrai et réel, que tous puissent être libérés à travers mes expériences. Que la gloire de Dieu règne dans chaque vie qui entend ce témoignage. Amen. Amen. C'est un truc hors du commun. Ce que nous venons d'entendre est terrible. Ma frère et soeur, la sorcellerie existe, les méchantes personnes existent, et le diable aussi existe. Sur cette terre, il y a ce qu'on appelle la chose du diable, il y a ce qu'on appelle, euh, le terrain de Satan. Tu peux pas aller dans une boîte de nuit pour prêcher l'évangile. Ça veut dire que vous, de nous, nous devons nous détourner de tout ce qui n'est pas de Dieu sur la terre. Hein. Et nous détourner de toutes les personnes qui sont possédées, qui sont là dehors. Parce que oui, hein. Il y a les gens possédés qui sont là dehors, en train de marcher. Qui sont là, en train de vous prendre des pièges aux gens. Ils attendent jusqu'où vous allez vers, vers eux, hein, Pour qu'ils puissent sortir les griffes. Le diable possède beaucoup de personnes dehors. Beaucoup de personnes sur cette terre sont vraiment possédées. Et il y, y a des pièges partout, les amis. Des pièges partout. Hein. Donc, soyez absolument vigilant. Le diable existe. Il y a des choses existent. Il y a tant de choses qui existent. La méchanceté existe. Toutes ces choses-là doivent vous aider à comprendre que vous devez faire attention là où vous mettez les pieds. Vous devez vraiment prier. Chaque jour et veillez sur tous les gens qui sont autour de vous. Les gens même qui sont vos ennemis sont les gens qui ont la le sang comme vous, ceux qui vous ressemblent, les êtres humains sont vos premiers ennemis. Mes amis, ne faites confiance en personne sur cette terre. Parce que même, Dieu nous, même Jésus nous dit que nul n'est pas fait sinon Dieu seul. Ne faites surtout confiance en personne. Il y a la société partout, il y a l'ennemi partout. Et on nous dit aussi que même les maquillages, toutes les choses que vous pouvez mettre sur vous peuvent être envoûtées. Ça veut dire que même les choses que vous achetez sur le marché peuvent être des choses consacrées aux démons. Vous prenez, vous mettez ça chez vous, les démons viennent chez vous aussi. comment c'est terrible. Hein? Ce monde n'est vraiment pas un bon monde. C'est pourquoi on nous dit de ne pas nous accrocher à ce monde. Mes frères et sœurs, euh, n'aimons pas le monde ni les choses de ce monde tu regardes la télévision oui, mais si tu regardes dehors et tu vois une lamborghini dernier cri nouveau nouveau joli joli cher cher si tu vois ça et que ça te plaît c'est bien mais ne dis pas oh je suis prêt à tout pour avoir ça même si c'est pour euh, euh, faire les choses mauvaises non, 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 non. Tu vas te fatiguer pour rien, tu vas perdre ton temps, tu, vas te, tu, 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 tu ne ferais que te, te gaspiller gratuitement. Toutes ces choses, -là, ce sont des choses de la terre ici, ça doit te servir. Toi, tu ne dois pas servir cela, c'est ça même qui doit plutôt te servir. Toutes les choses de ce monde, l'argent, la richesse, toutes ces choses doivent nous servir. Ce sont des choses qui doivent nous suivre, qui doivent nous obéir. Pas nous, on va courir après ça après même à, 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 à faire du mal aux autres. Pour, pour être heureux soi-même. Mes amis, il y a des propositions démoniaques et sataniques dans ce monde. Le diable se trouve partout. Il possède les gens. Le diable se trouve dans les gens. Les gens. Si tu vois le diable, ne cherche pas loin Regarde ton, ton voisin. Si tu regardes le diable, ne cherche pas loin Regarde les gens qui te ressemblent. Il se trouve dans ces gens-là. Si tu veux te montrer leur vrai visage, hein, tu seras surpris de savoir que... Hein, c'est où bon, nous, nous sommes. Ce n'est pas un bon monde. Même pour faire venir un enfant ici, vraiment, on hésite un peu. On hésite vraiment même beaucoup. Je vous assure, hein, on hésite même beaucoup, même. C'est des trucs hors du commerce que je dois vous dire. Mais c'est la vérité. C'est clairement la vérité. Ceux qui savent, savent. Ceux qui se mettent à l'esprit vont voir. Le monde est vraiment ténébreux et les sorciers partout dans les quatre coins du monde et les représentants du diable ce monde est déjà gâté c'est gâté le monde a pété ça a pété <laughs> c'est quoi du, du camera ok dites moi ce que vous en pensez et sur le bouton rendez vous pour la prochaine vidéo sur ce bon suite si suite n'as pas abonné abonne toi like commente partage ça va dire aussi d'autres personnes. Et prépare-toi pour la prochaine vidéo sur si ce bon. Et n'oubliez pas de me dire aussi en commentaire qu'est-ce que vous pensez du, du son, le nouveau microphone. Est-ce que vous m'entendez maintenant très bien? Est-ce que tout est normal? Tout est propre? J'aimerais savoir si votre... Euh, en fait, c'est que vous en pensez. Voilà. C'est parti. J'ai fait tous ces investissements pour vous. Donc, euh, soutenez-moi, soutenez-moi chaque jour ensemble. On ira, très, on ira loin et on ira même euh, très loin. C'est parti.